Bon, c'est la grippe à pute. On a rien matin, non? Oui, on a le. Là, on se à la veillée. Ah, la veillée, oui. Comme ça ou comme ça plutôt? Comme ça, les deux lumières. Non, après, c'est pas vers 5. Oui. On dirait la fille BDF. Oui. C'est un 1, 2, 3. Oui. C'est pas encore arrivé? Non, non. 1, 2, 3. Ça bouge un peu, mais. On va rebonjour à tous. Rebonjour à tous. Je vais prendre des tasses. Heureusement que je ne suis pas serveur. Les commandes, c'est vrai. Il y aurait du pastis dans la table des cases au lieu du martini. Non, mais... Le martini, il se retrouverait. Tu comprends pas ce que c'est. Voilà. Martini se retrouvait à la table de dés au moment du dessert. Mais... Non, mais voilà. Après, ouais, quand on n'est pas serveur, on n'est pas serveur. T'as tout à fait raison. C'est la meilleure femme que je vais signer. Ah oui. Ah, par contre, je vais peut-être laisser d'un poil. Parce que. Si tu vas. Ouais, lui aussi il va baver, je sais. Je connais. Bon, sinon, quel était. Comment s'est passé ce matin? Ben, le pique-nique bien? Le pique-nique, oui, mais on a fait un fruit de canard. C'était de la nourriture fraîche? Non, c'était un sandwich du saucisson fromage. Le saucisson fromage, il était frais? Il était frais le saucisson, mais voilà, on a c'est... eu. On a mis nos manteaux finalement parce qu'on s'est un fruit de canard dehors. À midi, on a eu froid, on a mangé sur la terrasse du foyer, dans la cour. On s'est mis dans une table chacun et on était froid. Voilà. Et toi, t'as bien passé ta matinée? Oui, j'ai lavé linge. Je fais une lessive. Ouais. Il faut que je me prenne un étendage. Ouais. Le prochain achat sur Amazon, ça va être ça. Ouais. Étendage, parce que celui-là, il est quand même pratique. Hein, mais ouais. Par contre, quand j'ai une semaine et demie de retard de linge, c'est trop juste. Ah oui, d'accord. Et c'est tout serré, regarde. Et pour que tu commentes, tout... mais un relais-colis. Ah non, c'est... Non, parce que si, j'ai tenté, je suis pas con. Hein? Et en fait, ils peuvent pas parce que ça rentre pas un étendage. C'est ce ah oui, c'est. Ah oui. Donc voilà. Ah oui. Comme oui. Si je commande la Citroën Ami en relais colis. Ils vont dire, vous foutez notre gueule, c'est là. Oui. Une voiture, c'est une bagnole, c'est pas un stylo ou une petite trompette. C'est une bagnole. Oui. Voilà. Non, c'est pas possible. Oui. Relais colis, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Bien pour les petits colis. Relais colis, mais quand c'est un pull ou un t-shirt ou un pantalon, ou même un caleçon ou chaussette, mais un étendage, non, c'est non. Oui. C'est pas possible. T'as raison. Ouais. C'est pas que j'ai raison, c'est. C'est le site qui veut pas, c'est tout. Oui, t'as. Oui. Dans ce cas-là, je vais faire commander un paquebot et je vais mettre en relais colis à carte. Relais colis à Carrefour. Ils vont être contents. Sinon, pourquoi tu commandes pas un yacht sur Amazon? Bah, si tu veux, j'ai pas les moyens de. Ou un bateau à poil. J'ai pas les moyens de me payer un bateau à poil. Mais si tu les as, toi, j'ai bien, tu me les commandes pour moi. Oui. Tu me l'envoies, puis voilà, tu me fais un beau cadeau là. Non, mais pourquoi un ami en Bretagne de mon papa, il a un bateau à poil et mon papa. Mon papa, il a été invité sur le bateau à poil une tournée en mer. Et combien il le vend, le non, bateau à poil? Non, il vend pas. Alors, on ne sait jamais, il dit un prix. Non, il ne le vend pas. Il en veut combien? Non, il ne vend pas. Ah, il veut pas le vendre. Non, il ne veut pas s'en séparer parce que c'est un nouveau bateau qui vient de acheter pour lui. Ah, c'est bon, ouais. Bon. Après, ouais, il y a Et mon papa, il veut passer le permis bateau en mer. Quoi, maintenant, mon père a le permis bateau, ça, ouais. Et mon papa...
Mon papa, il fait passer le côte de la route pour les gros bateaux, mais du coup, c'est difficile. Le code de la route pour les bateaux. Non, mais le permis pas... bateau. Ouais, parce que là, t'as dit, en fait, t'as fait une connerie. Comme si je disais, le permis bateau pour la voiture. C'est pas possible. Oui. Est-ce que mon permis bateau peut aller sur le permis de la voiture? Non. Si je voulais mon permis de voiture. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. Exactement, c'est pas possible. Parce que, remarque, une fois, il me semble que j'ai vu un feu rouge en pleine mer. J'ai vu un feu rouge en pleine mer. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui ai trop vu ou c'est on buvait l'apéro et puis. Mais. Je disais à ma mère, mais tabernacle, il me semble que je vois un feu rouge là, non? Ah oui. Il fait, t'es sûr, mon fils? Je lui dis, regarde, prends la jumelle pour voir. Il fait, non, tu t'es trompé, c'est une bouée. Parce que je me suis dit, il faudrait pas que père grille le feu rouge. Parce que bon, la police de la mer va nous dire, là, on voudrait. Parce que là, si on vous paye. Soit vous payez l'amende et vous pouvez mettre les voiles, ou sinon vous nous suivez à la capitainerie. Mais et alors le week-end prochain, tu vas au bouchage ou pas? Oui. Chez ton papa? Oui, je vais au bouchage, oui. Et du coup, par contre, j'ai pas les dates, j'ai pas l'heure exacte, pas pris de billet, mais je prendrai mercredi soir ou jeudi soir. Et moi, samedi, je fais à Yuria, je fais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je fais faire des vidéos pour pas que mes abonnés soient partis. Après, c'est. Même si tu fais pas de vidéo, moi c'est ma vidéo tout le temps, les abonnés ils restent hein, s'ils aiment bien ce que tu fais. Ils restent. Et puis des fois ça fait du bien de laisser le site un peu en repos. Tu sais, des fois. Oui, mais moi j'adore les vidéos en continu. Après, ça dépend comment. Parce que bientôt, je vais montrer quand je vais pisser. Après, bon. Ah non. Après, ça pourrait être un nouveau style, mais bon. Le problème, c'est pas adéquat. Oui, mais c'est pas adapté. Exactement. Exactement, t'as tout compris. Tu ferais que je fasse une vidéo quand je fais la tournée du matin, tu sais, des machines, des fontaines à eau, si le réservoir est vide ou pas. Ah oui. Il faudrait que j'y pense. Oui, d'ailleurs, il faudrait que je regarde où je travaille lundi. Oui, et ton papa va commander, va chercher, va faire des pizzas lui-même, on fait quoi ou pas? Je ne sais pas. Oui. Ça, c'est. On verra. On peut pas venir. Oui, du coup, tu vas essayer de voir ta trottinette dans le magasin, il répare. Alors, je pense que je vais l'appeler tout à l'heure. Si bien on l'appellera ensemble tout à l'heure. Oui. Et je vais prendre des nouvelles. Mais normalement, je pense qu'il devrait en savoir un peu plus. Et moi, je crois que ça fait chanter de trottinette. Bah, à chaque fois, ma trottinette, il n'y a plus de batterie. À chaque fois. À 2 mètres, il n'y a plus de batterie. À chaque fois, il est tout le. Elle a quel âge, cette trottinette? On a acheté pour mes 18 ans. Ouais, t'as quel âge? Mais moi, c'est 23, puis cette année, au mois de mai, j'aurai 24. Ouais, ouais. Peut-être que. Après, ça dépend. Comment. Non, mais moi, en route, même pas 2 secondes, j'ai tenu ma trottinette jusqu'à ma maison, jusqu'au portail, parce qu'il n'y a plus de batterie à chaque fois. Ah ouais, ouais. Et on vient de. C'est pas la batterie, pourquoi? Parce que mon papa, on vient de changer la batterie, une nouvelle. C'est pas la batterie. On vient de la changer la batterie dans un magasin. C'est pas la trottinette en elle-même qui consomme trop, peut-être qui. Après, ça dépend, est-ce que vous allumez les phares à chaque fois ou. Non, ça use, hein. Non, on baisse les phares. Les phares et Ce qu'il faut faire, c'est éteindre les phares carrément. Oui. Déjà, c'est toujours ça en moins qui prend pas. Oui. Et parce que moi, Quand tu roules, ça consomme de l'énergie.
Oui. Alors si tu allumes les phares et en plus tu t'amuses à freiner sans cesse pour rien et réaccélérer, oui. C'est pour rien, ça consomme plus de courant que ça ne devrait. De quoi te fait m'acheter un tricycle électrique? Par voir, après voir avec ton père. Et peut-être. Après, il faut que tu tiennes compte de. Que tu. J'ai l'impression qu'on crie. Que tu tiennes compte. De toutes les difficultés. Ah, il y a encore Ferrari. Ah oui, c'est le nouveau monsieur qu'on parle. Il faut que tu tiennes compte de toutes les difficultés que tu rencontres, par exemple, que tu ne vois pas bien, et aussi le fait que. Voilà, il faut. Aussi, notre. Après, pas à ton père, il saura. Alors, sur mon vélo. Non, mais on peut acheter qu'une assistance électrique et on peut la monter sur le vélo, que c'était ça ou pas? Je ne sais pas, après. Après, il faudrait voir avec Decathlon, peut-être qu'ils peuvent électriser ton vélo actuel. Peut-être ça trouve. Peut-être tu peux voir, je ne sais pas. On est solitaire ou pas? Qu'est-ce que j'ai raté dans ton éducation là? Mais... Tu peux le prendre dimanche, mais que l'après-midi. D'accord? Parle de quoi là? De son mari. Ah. Non, c'est bon, j'ai compris. Et voilà. Il y a rien à comprendre. Le matin, il dort. Et tu, il va faire quoi te pond à part les pizzas, ton père? Je ne sais pas. Tu sais pas? Ça, je ne sais pas, c'est... Il verra. On verra, chacun verra. Oui. Oui, et du coup, tu lui as envoyé la clé? Oui, il a reçu, il a tout de suite amené au magasin, qui a passé à... Voilà. Ensuite, je pense qu'ils ont dû ouvrir, commencer à regarder, puis... Après, à mon avis, c'est la patrie qui y a pris. C'est ta patrie qui a pris. Qui a pris l'eau. Alors, il n'y avait pas d'eau. On est d'accord qu'il n'y avait pas d'eau. C'était sec. Pardon, c'était sec. Il y avait juste un trou. Donc, en fait, si j'ai pris le trou. J'ai fait un petit. Ça freinait le truc. J'ai fait un papier. J'ai retombé un peu sec. Oui. Et je pense que ça a dû. Vous avez une connectique parce que les phares marchent. Le phare marche. Oui. Le compteur il s'allume. Oui. Il clignote, mais il s'allume. Oui. Donc l'alimentation, elle fonctionne. Oui. Alors, par contre, ce qui marche plus, c'est la connectique au niveau. Quand je veux accélérer, ça marche pas. Ah, d'accord. C'est juste ça. Donc je pense ça se trouve, c'est une petite cosse qui s'est détachée. Ça se trouve. Les plaquettes de frein, ils marchent? Je pense que le frein arrière a des soucis parce que la manette, elle est toute molle. Ah, d'accord. Donc, je pense que ça a dû... Mais ça, à la limite, c'est pas ultra grave. Oui, d'accord. Enfin, voilà, je parle pas comme un pro, mais bon. Oui, d'accord. Sur le résident de la maison de retraite, quand même. Oui, d'accord. On va couper, je pense. Quoi? Enfin, après, ouais, je sais pas... Par contre, ce serait... Ouais, il fait jour quand même. Attends, j'ai essayé de couper la lumière. Parce que c'est quand même pas normal qu'on allume en pleine journée. Sait pas faire ça ici. Ouais, mais Greta Thunberg, je pense qu'elle serait pas très contente si elle tombe sur une de nos vidéos. Quoi. Elle va dire, c'est là, ils éclairent la journée quand il fait jour. Après, bien que je pense pas qu'elle me regarde, mais bon. T'es une actrice, c'est quoi? Greta Thunberg. C'est qui, t'es une actrice? Allons, Pierre-Alexandre. Greta Thunberg. On te connaît c'est, pas, moi. C'est une militante intégriste, écologiste. Écologique, tu sais. Ah oui. C'est qui est danoise, qui dit sans arrêt blablabla. Ah oui. Mais je veux bien faire un effort. Et tu vas où? Par contre, j'ai écouté un peu ce qu'elle a dit dernièrement. Ouais, elle s'améliore un petit peu. Oui. Après, parce qu'avant, il disait, elle proposait rien de concret, comment sauver, pas sauver le monde, mais comment réduire au maximum l'impact. Là, elle a parlé, elle a dit des choses intéressantes, elle s'améliore. Oui. On se commence un peu plus à l'apprécier. Oui, et avant, il dit quoi comme chose intéressante? J'ai pas retenu ni écrit, mais. Bon, d'après, après, elle a dit des trucs quand même qui sont
Ouais, qui sont bien. Bien. Et du coup, tu vas te promener avec ton papa, un ami ou pas? Ouais, j'ai peut-être. Je sais pas si on se ferait pas un Perpignan ou un Cannes, je sais pas. Ah non, mais. Après, ça se trouve, on peut se faire même à Dunkerque. Non, mais. T'as pas peur que ta voiture s'est trouvée une plage au milieu de la route? Ah, c'est ce qui va se, c'est même sûr ce qui va se passer. On va bien et avant même d'arriver à Cannes. Avant d'arriver à Toulouse, ou même avant d'arriver à Montélimar ou Dijon, dire, c'est sûr que je serai en panne. Effectivement, c'est plus d'électricité dans ma voiture. Bah, déjà, elle fait 75 km d'autonomie maximum. Ah oui. Là, on l'a pas rechargé en partant. Il va me dire, il a dit, donc forcément, ah mince, il n'y a plus de batterie. Donc, il va tomber en panne, peut-être vers Lyon. Ou, oui. Voilà. Et encore. Et chez toi, au Bouchard, il y a une prise pour que je sorte. Oui. T'as cette voilà, bonne amie. On a une prise, oui. On branche au garage. Ah oui, d'accord. Mais. Et voilà. Et du coup, tu vas aider à ton papa à cuisiner ou pas? Alors, niveau cuisine, c'est pas mon fort. Ah, et. Je peux dire plein de choses, mais cuisine, bon, c'est pas. Après, je peux. C'est plutôt lui qui m'aiderait parce que il est très doué dans ce domaine. Bon. Et pourquoi tu fais ça mettre barbecue? Bah, pour l'instant, c'est pas trop la saison. Ah, là, t'en as fait, pourquoi vous en avez pas fait? Pourquoi t'es pas resté dehors? Ben, il fait froid. Ah, bah voilà. Barbecue. Voilà. Ouais, il fait froid. Mais. Il fait frais. Mais. C'est-à-dire, avec les yo-yo, on ne peut pas trop prévoir. Dites, votre poubelle, là. Pourquoi ma poubelle, là? Il ne faut pas la laisser sur le palier. C'est dégueu. Ah oui. Il y a un problème. Quoi? Il n'y a plus la poubelle. Il ne faut pas la laisser sur le palier. Oh, pas comme ça, je suis un peu de se faire. Ah là là là, je t'ai sonné, toi. Ah oui. Oh non. S'il y a besoin d'aide, tu crois que je ne suis pas capable de me défendre tout seul? Sérieusement, je voulais juste. Pour toutes les personnes qui ne voient pas, on regarde Scène de menace en même temps qu'on fait la vidéo. Si, après, ils ont reconnu. Ouais. Par contre, c'est vrai, ça fait vraiment meuf, ce t-shirt. Hein. Non, mais c'est pas grave. J'ai acheté à Lidl, j'ai pris, je crois que j'ai dû me tromper de rayon. J'ai dû prendre la marque fille au lieu de garçon. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ouais. C'est pas grave. Tu n'as pas pris un soutien corse à la place? Que tu as. Si, mais j'ai prêté à Marie. D'ailleurs, il faudrait qu'elle me le rende. Non, j'irai là-bas, j'y dirai que j'aimerais voir son soutien-gorge, voir si elle n'a pas abîmé ou quoi. Non, mais non. Non, il n'a rien. Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout à toi, Marie. Si, j'ai passé mon soutif. Non, t'as pas soutien-gorge. T'es pas une fille. T'es pas une meuf, toi. Et puis, j'ai rien passé. Je pense pas que. Ah non. Oui. Ça, par contre, j'ai dit, il faudrait écouter mon passe. Non, mais c'est rigolo quand on dit ça. Ouais. Il faut pas couper le montage. Il faut pas couper la vidéo. C'est rigolo quand on dit ça. On peut dire ça. Mais par contre. Changer d'angle un peu. Mais par contre, ça rien me dire. Voilà. Ah, ouais. On fait des vidéos individuelles. Non, on nous a vus là, ensemble. Mais, oui. Là, pour changer un peu d'angle. Oui, en fait, on change un peu. Oui. Et je suis là. Et moi, je continue à faire les vidéos tout seul, c'est-à-dire, d'accord? Après, je suis là aussi, en arrière-plan, mais je suis là. Donc, tu as mis les deux caméras ou pas? Non, caméras.